Hey, Moby Geek. Moby Geek? Oui, comme Moby Dick. Tu sais, la grosse baleine blanche. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qui te turlupine aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi l'intelligence artificielle fait si peur? Pourquoi, quand on pense intelligence artificielle, on ne peut s'empêcher de penser qu'on joue avec le feu? Est-ce que les IA pourraient vraiment surpasser l'humain et devenir dangereux pour nous? C'est Gontran. La plupart des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle la regardent à travers les fictions, les tabloïds de sensations, les rumeurs pseudo-scientifiques. Très peu de ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle la connaissent réellement. Il faut dire que les avancées technologiques sont dures à appréhender. Et leurs limites, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, c'est très abstrait. Les films d'Hollywood aident beaucoup à notre imagination, je pense. C'est vrai, mais regardons tout cela ensemble dans le détail. Est-ce que l'IA pourrait vraiment dépasser l'humain? Ah, l'intelligence artificielle. Beaucoup s'imaginent l'impossible. Beaucoup s'imaginent que les IA deviendront un jour plus forts que les humains. Les robots vont dominer le monde, tu crois? Moi, je n'aurais pas envie de dominer le monde. Moi non plus. Je n'imagine même pas ce que Chibi me ferait subir. Ah bon? Et pourquoi ça? Désolé, il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Mais c'est à Lily que je posais la question. C'est bien trop de problèmes. J'aurais même plus le temps de jouer. Et dominer le monde, ce serait trop inconscient. Ouais. Faut pas dire de gros mots. Là est bien le problème. Pour être aussi inconscient, faut d'abord être conscient et avoir de l'ambition. Déjà, vouloir dominer le monde est un sentiment purement humain, a priori. Il relève d'une conscience de sa propre supériorité. Est-ce qu'un robot sera déjà assez humain pour juger de sa supériorité sur l'humain? Pour nous, le jugement, l'empathie, la sympathie, l'énervement, tous les sentiments sont innés. On les ressent, un point c'est tout. Mais est-ce que les IA la ressentiront un jour? Est-ce que les IA sont déjà conscients? Ou est-ce que leurs imitations sont tellement parfaites qu'on s'imagine qu'ils sont conscients? Roboto, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Et c'est quoi ces SOS que tu envoies? Bah, tu connais le Morse. Oui, et? Je n'y arriverai pas. Arriver à quoi? Je sais que Chibi est très maligne, et je voulais envoyer une lettre au Père Noël dans un langage qu'elle ne pourrait pas intercepter. Et pourquoi te donnes-tu tant de mal? Parce que je n'ai pas d'argent pour lui acheter un cadeau et j'aimerais lui en offrir un. Donc j'ai pensé que le Père Noël pourrait m'apporter ce que je veux lui offrir. Oh, mais c'est mignon. Tout plein, ça. On va s'en occuper ensemble. Mais après la vidéo. Ok, on se voit tantôt. Aujourd'hui, les IA utilisent des processeurs d'ordinateurs normaux. 32, 64 bits binaires. Pour faire leurs calculs et calculer les probabilités sur une base binaire. Donc, vrai ou faux. On ajoute à cela des degrés de probabilité pour simuler les niveaux de gris entre le vrai et le faux. Mais ça reste une émulation, car le processeur, lui, est binaire. Oui ou non. Il n'y a pas d'incertitude. Donc, oui. C'est super pratique d'être sûr de sa réponse. En fonction d'un degré d'incertitude, soit c'est reconnu comme étant vrai, soit c'est reconnu comme étant faux. Et en fonction de ces probabilités, l'intelligence artificielle arrive à se monter des relations entre les événements, entre les choses, entre tout ce qu'ils perçoivent et se forge une réalité. Bien entendu, IA ne veut pas dire avoir raison. IA veut dire qu'il a réfléchi à une solution
seul en fonction de ses calculs, de ses historiques et de ses propres conclusions. Il prendra la décision la plus précise possible en fonction des probabilités. Bien que cette puissance surhumaine soit de plus en plus puissante, il manque tout de même quelque chose de crucial, le dépassement des limites, ce qu'une IA ne fera jamais, du moins pour l'instant. Les IA analysent de façon pragmatique. Oui, ils arrivent à nous imiter, tellement que dans les chatbots, on jurerait que ce sont de véritables humains. Mais ils suivent des patterns. Certes, ils calculeront plus rapidement que l'humain. Ils se rappelleront de tout sans jamais rien oublier. Ça peut faire peur, car on se dit incapable de calculer aussi vite qu'eux. Grâce à eux, on fait même des découvertes scientifiques que sans eux, on n'y serait jamais arrivé. Mais est-ce eux qui ont fait la découverte ou nous? Car c'est nous qui les avons créés. Où est la limite entre notre projection de nous-mêmes en eux? Serions-nous tout simplement en train d'avoir peur de ce que nous ferions à leur place? Mais nous ne sommes pas des IA. Notre cerveau est quantique. Bien sûr, on commence à parler de l'utilisation du quantique dans l'IA. Et certains vont se dire « et voilà ». C'est à ce moment que les IA nous briseront comme des fétus de paille sur leur chemin. Mais peut-être pas. Si l'IA devient quantique, est-ce qu'ils seront toujours aussi puissants? Ou deviendront-ils aussi avec la mémoire qui fuit? Se mettront-ils à voir les choses plus fluidement que de simples zéros et un binaire? Le renforcement prendra toute une autre dimension. Nous verrons tout cela dans une prochaine hors-série dédiée sur le cerveau humain et le parallèle qu'on peut y faire avec l'intelligence artificielle. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Et joyeuses fêtes à tous!